Je crois qu'il s'est pété le poignet, j'en prends une raie. Et ben papa, il s'est cassé la gueule, il s'est cassé le poignet. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo un petit peu en impro, je vais pas vous mentir. En fait, je voulais faire un prank à papa. Regarde. Et Amy, regarde. Je crois qu'il s'est pété le poignet, j'en prends une raie. Ouais. Donc, un petit vlog. Ouais, alors, je sais pas si on a des images. On a des images, vous les envoyez à Amy, s'il vous plaît. Sur Insta. Arrête. Donc bon, vraiment, genre là, regardez. Force pas, tu me fais peur. Et on vous explique, t'as appelé Tim ou pas? Mais bon, bref, mais il est dans la cuisine, il est en train de manger. Appelle Tim. Bon, bref, là, on a un live Insta actuellement. Il est quelle heure, maman? Appelle Tim. Maman, il est quelle heure? Là, il est 21h30. Il est 21h30. Il vient de péter le poignet de son père. Mais c'est pas moi, j'ai pas fait exprès, c'est papa, il est tombé tout seul. Hein. Non, 8 c'était un peu court, Amy, quand même. Oui, non, il n'aura pas le temps. 8 c'était un peu court. Je te laisse 10 secondes. 10, mais dépêche-toi, Christa. 9, 8. Attention. 6. Dans ton téléphone. Il va être mouillé ton téléphone. Mais je vais le mettre en ligne. Allez. Ah non. Folle, Amy. Oh. T'es folle. Mais t'es folle. Amy, t'es bête. Et Tommy, je l'ai dit. Amy, t'es bête. Oh non. Non mais Amy, mais jamais j'aurais cru que t'aurais fait ça sur le lit, mais t'es folle. Mais t'es folle. Non mais t'es folle. Du coup les gars, je crois que ça va finir en vlog, moi là à l'hôpital. Le prank qui tourne mal, pour de vrai. Après la chaise roulante. Slay. Moi je vais te dire, c'est toi quand même papa à l'hôpital. Hein. Mais tu veux que je fasse comment? J'ai pas de voiture. Ah bah c'est toi, tu te débrouilles. Tim, il est en train de manger. Et puis c'est vrai, fais ça gonfle. Putain, papa, je suis désolée, prends une raie. Ah mais Tim, c'est maintenant qu'il faut venir là. Mais non, ça doit être un nerf. Papa, il s'est pété le poignet. C'est historique. Premier degré, non, pas de prank. Non, ah non, pas de prank, bah tu m'étonnes, regarde. Non mais c'est un nerf qui a dû se tourner. Est-ce que Mamou est sur le live? Mamou, viens-moi à l'hôpital. Est-ce que Mamou est sur le live? Je suis désolée, je suis vraiment à la va-vite parce que bon là, voilà. Genre là, je dis tout, genre regardez. Je suis comme ça, mais genre bref. Devenir influenceur, c'est un métier. C'est un métier. C'est pas qu'un métier. En même temps, j'ai laissé beaucoup de temps à papa pour qu'il sorte du lit. J'ai laissé au moins 10 minutes. Il est jamais sorti. Peut-être pas 10 minutes, mais peut-être 5. Je lui ai laissé 5 minutes pour qu'il sorte parce qu'il savait que j'allais lui mettre un ballon d'eau. Mais j'ai rien fait. Mais si, hier, tu m'as enfermé dans la salle de bain. Tu t'es enfermé toute seule. Mais non, t'as voulu me jeter plein d'eau, donc bon. Il a voulu m'attraper, mais j'étais sous la douche, j'attendais. Ceux qui sont sur le live, abonnez-vous sur Instagram. Bref, ouais, les gars, venez nous rejoindre sur Instagram parce que du coup, c'est là où ça s'est passé. Sérieux, un dimanche, ça va être la misère à l'hôpital. Ouais, parce que là, tous les jours, c'est bon, papa. Non, c'est pas bon. Tu vas pas à la. Non, c'est pas bon. Non, je te dis, c'est pas bon. Mais mets les deux poignets à côté. Bah, c'est pas bon, rien. Tu vois bien. Rien. Non, mais m'engueule pas, j'y suis pour rien. Bah, je te dis que c'est pas bon. Bah, j'y suis pour rien non plus, hein. C'est toi qui est tombé tout seul, papa. On va dire à Tim, venez. Putain, mais c'est un truc de dingue ça. Je suis désolée, papa. Hein. Alors là, c'est accident en live. Tim, t'es là? Ouais. Tim, zéro prank. Écoute, Tim, il est en train de manger tranquille. Mais c'est pour le vlog, zéro prank. Est-ce que t'as suivi le live TikTok ou ouais, pas? Un petit peu. Et ben, papa, il s'est cassé la gueule, il s'est cassé le poignet. Comment tu sais qu'il est cassé? Bah, regarde. Ça a dû être un nerf qui s'est déplacé, je pense, en vrai. Je peux lever? C'est rigolé. On va aller à l'hôpital, les amis. Putain, c'est Amy. Ouais. C'est grave pas moi, mais je sais pas moi. Mais ouais, j'ai vu. T'as mis un truc dedans. Est-ce que t'as vu papa sur le lit? Est-ce que tu l'as vu se casser la gueule? Tu l'as vu se casser la gueule? Enfin, plus ça va, plus ça gonfle. Hein. C'était rapide quoi. Bah oui, c'était l'hôpital. Plus personne. Ça craint. Tu veux bien? Tu finis de manger? Tu l'emmènes? Oh non. On sort. On va y aller tous ensemble, je crois. Bah non, mais Amy, vous allez vous coucher, vous allez pas aller à l'hôpital. Appelle Mamou. Je te vais aller au travail demain. J'ai demandé si Mamou était sur le live. Ah, mais du coup, tu vas pas aller au travail, ouais. Merci. Il doit être refait. T'as rien, papa. On s'arrête là. Non, on s'arrête. En vrai, de vrai, maintenant on appelle les pompiers, comme ça on est tranquille. Ah ouais, maintenant on appelle les pompiers. Non. Si, ça va plus vite. Non. Ouais, on fait un vlog, ça tourne. Est-ce que tu crois qu'il viendrait aussi? Eh, tu peux pas conduire une. C'est bon, ça s'est dégonflé un peu. Non, ça dégonfle pas. Si, ça s'est dégonflé, regardez. En mode, vous voyez, c'est un nerf, je pense que c'est tourné. Les amis, bien sûr, suivez-moi sur Instagram. C'est un nerf, ouais. Et je te promets que. Je peux plus lever la main. Putain, tu dois avoir le bébé. Monsieur, tennis, je peux plus jouer au tennis, je peux plus rien faire. Après, avant, c'était le pied qui s'était claqué. Encore le pied. Après, le pied, c'est le tennis. Tu peux plus écrire. Le pied, c'est la main. Et on part en vacances dans un mois. Papa, t'as déjà pas dit. Même pas moi. T'as, vous me dérangez là, mon gars, il commence à être froid. Bref, on fait quoi du coup? Est-ce que Mamou est sur le live? Les gars, venez, on appelle les pompiers. Ouais. Je sais même pas si les pompiers. Vas-y, attends, déjà. Ça serait trop stylé. Tu
putain, j'ai cru que tu filmais. Non, je suis en live Insta. Attendez, papa, tiens la caméra, il te fait, je suis sur mon téléphone, j'ai appelé le 18. Non, 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 je vais vous m'emmener. Hein. On va à la clinique, je vais pas à l'hôpital. Je vais à la clinique. Ah ouais, c'est vrai, les pompiers, ils emmènent. Ah bah oui, ils emmènent à l'hôpital. Moi, je vais à la clinique. Pourquoi tu vas pas à l'hôpital? Parce que. Oui, mais avec les pompiers, peut-être qu'ils mettront. Ouais, non, normalement, tu passes privé. Bah ouais, non, en plus, tu vas privé. Papa, tu vas attendre au moins 2 heures. L'autre fois, j'ai attendu 2 heures. Pour mon poignet cassé. Tu emmènes papa ou pas, franchement, pour que moi, j'essaie de faire des. Non, venez, on appelle les pompiers. Non. Les vieux, les pompiers. Tout ça pour avoir les pompiers sur la caméra, non mais. Moi, je suis trop content. Mais non, non, pas du tout, parce que nous avons arrêté. Mais je sais, parce que comme ça, moi, j'ai envie d'appeler, ouais. Oupsi. Non, non, en plus, je sais même pas si. Voilà, tu vois, poignet cassé, pas pris, bah oui, c'est normal. Le problème, poignet cassé, je vais galérer. En plus, attends. Parce que j'ai tout me tapé. Oh yes! Mais papa, yes. Après, avec un poignet cassé, c'est bon, dans 3 jours, c'est bon, t'as plus rien. Hein? Enfin, t'as plus rien, genre. Mets de la glace, avec, si t'as un plâtre. Mets de la glace pour pas que ça. Si t'as un plâtre. Mets de la glace. Mais si t'as un plâtre, il peut tout faire après, dans 3 jours, il peut tout faire. Hein. Bah non, il peut pas tout faire, tu peux plus bouger la main, Amy. Mais tu t'habitues, hein. Tu peux tout faire après. Non, il est pas cassé, il est pas cassé. Non. La tête, il est pas cassé. Bah attends, une entorse, c'est pire. Ah, mais... une entorse, moi, je me suis fait une entorse du pouce et j'ai encore mal, ça fait 4 ans. T'as mal quand tu bouges? Ah bah oui, j'ai mal. Je sais pas. Attends, en fait, il y a une bosse. Regarde. Ça, je peux pas le faire. Là, je suis au maximum. Putain. Là, je suis au maximum. Je suis désolée, papa. Je suis vraiment désolée. Tout ça, c'est à cause de toi. En ce moment, elle fait des ravages. Non, mais. Mais non, c'est juste que je mangeais. Ne traînez surtout pas avec Amy. Il se passe toujours des trucs. Elle va vous arriver un coup. Non, c'est juste que moi, quand je me venge, je me venge. Elle va me tuer. Abuse pas. Donc, Tim, je peux compter sur toi pour emmener papa à l'hôpital? Vas-y, finis de manger. Bah bien sûr, bien sûr, tu finis de manger, bah bien sûr. Franchement, les gars, c'est vraiment la vie. On a fait une petite bataille d'eau improvisée. Pas une bataille d'eau, il y a que toi qui avais pistolet. La vengeance tourne mal. Bref, les gars, sur la terrasse. Eh ben, on t'avait dit en plus. Dis-leur qu'on leur tient au courant. Elle a niqué le lit. Amy, elle t'a dit ça 35 fois d'aller sur la terrasse. Vraiment, je te l'ai dit 55 fois, je t'ai laissé au moins 5 minutes pour sortir. T'as pas voulu. C'est pas mon problème. En vrai, je dirais, par contre, saoulé. Tu vois, là, je vais aller à l'hôpital. Bref, les gars, nous, on vous tient au courant parce que bon, voilà, on va pas rester en vidéo pendant une demi-heure. Les loulous, on est désolés. Bon, bref, on vous tient au courant. Bisous. Les gars, on clôt la vidéo, on leur fait des bisous. Bah, on clôt, non, papa, il va faire une visite à l'hôpital quand même. Là, on va pas clore la vidéo tout de suite. Je la bombarde pas dans l'hôpital. Non, tu le déposes. Non, tu me déposes, je sais me débrouiller. Tu iras le rechercher par contre, Tim. Miskin, papa. Ah. Les gars, mettez un maximum de force dans les commentaires, mettez un maximum de likes, parce que bon, Miskin, papa, il s'est cassé le poignet. Ah, bravo. Mais c'est pas moi. Ça me lance. Bah, ils disent soit appeler les pompiers, soit. Ouais, non. Mais oui, tu devrais appeler les pompiers. Les pompiers. Mais wesh, mais c'est pas de ma faute, papa, il est tombé tout seul, c'est pas moi qui l'ai fait tomber. Ils nous disent, reste en live à l'hôpital. Bon, les amis, on va se laisser, on est désolé, on vous laisse forcément parce qu'on a du coup on prend un live quand je reviens de l'hôpital pour vous dire les nouvelles. Il sera minuit, tout le monde dormira, chérie. Mais non. Mais si. Non. Mais si, c'est 3 heures les urgences, Amy. Ouais, c'est la galère. Mais appelle les pompiers. Non. Appelle les pompiers. Appelle les pompiers. Je sais même pas si le pompier viendrait. Bon, bref, Amy, oui. Stop, on leur dit. Bon, les gars, à tout de suite. Non. Papa, il vous tient au courant, on fait des bisous. De la clinique, j'attends Tim et j'ai mes radios, donc je vous en dis plus quand j'arrive à la maison. Allez, ciao. Bon les amis, allez, je suis à la maison, Tim. Tim est dans l'accompagné, donc c'est cool, merci. Il fait du café parce que là on en a besoin. Voilà, il est minuit. Bon, minuit. Ouais, minuit 10, ouais. Toi. Donc je vais aller annoncer à Val ce que j'ai. Donc voilà, j'espère qu'elle dort pas. Donc on va voir, je vais aller la voir. Bon allez, à tout de suite la team. J'ai mal, ça me tire, je peux même pas serrer le poing. Je vais allumer les lumières. Waouh. J'espère qu'elle dort pas. Putain, on a changé les draps, déjà. Tu m'étonnes, tout était trempé. Attendez, il y a de la lumière, donc c'est bon, elle dort pas. Ah, tu dors pas mon amour? Tu m'as attendu? Ah, c'est cool. Je suis crevée. Tu m'étonnes. Et je bosse, je fais les miniatures. Oh. Ça va toi? Bon bah y est, verdict. Vas-y. Oh. J'ai un gros hématome avec une grosse entorse. Donc voilà ce que ça donne. Tu l'avais pas montré avant? Si, je l'avais montré, mais ça a gonflé depuis encore. Ça n'arrête pas de gonfler. Tu
Tu m'étonnes. Donc, je suis en arrêt pendant une semaine, voir si ça va plus, si jamais ça va pas. Et puis voilà, moi, ma puce. Je vais me taper une attelle. Mais il faut attendre que l'hématome il dégonfle pour pouvoir la poser, parce que sinon ça va me compresser le bras et ça va me faire trop mal. Entre la jambe, c'était quand il y a deux mois. Il y a un mois et demi. Et là, le poil. Non mais sérieux, c'est pas beau de vieillir. Non mais je suis contente que ce soit pas cassé. Moi aussi. Que ce soit pas plâtré. Bah grave, parce que sinon on aurait été en galère pour le voyage. Ouais, c'est clair. Mais bon, donc voilà la team. On va annoncer la nouvelle pour demain alors. Ouais, on va annoncer la nouvelle. Parce que les enfants dorment bien sûr, demain ils vont à l'école. Donc putain, je peux même pas tenir la cam. Je te jure, c'est un truc de fou. Oh, je peux même pas serrer le poing, ça fait trop mal. Donc ouais, on va annoncer les nouvelles aux enfants, à Mamou. Et puis demain matin, on va reprendre tout ça. Ouais. Bon. On va me coucher parce que je suis mort, je suis fatigué, j'en ai marre. Moi aussi. Mais bon, on fera un live TikTok demain. J'ai lutté pour t'attendre. Oh, tu m'étonnes. On fera un live TikTok demain pour vous annoncer ça. Bah attends, mais là, la vidéo, elle va sortir vachement ouais, après. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais oui, on fera un live ouais. TikTok. Mais fini, hein, fini les conneries, hein, parce que moi, ils vont me tuer. Hein. Oh là 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 là. Enfin, voilà. Donc, on se dit à demain matin. Ouais, à demain pour la réaction des enfants voilà. Et de maman. Et je vous ferai voir les messages d'Emmy. Elle me dit, oh, excuse-moi papa, je suis désolée. Ah, elle m'a dit, ouais. Tiens, tu veux que je te dise ? Ouais. Je vais les lire, tiens. Vas-y, petite puce. Bah ouais, elle était contrariée avant de se coucher. Ouais, parce qu'on rigole, on rigole, mais au final, on est quand même contrariés. Ouais, les messages d'Emmy. Tous nos draps sont mouillés là-bas. Là. Alors, elle me dit, désolée papa, vraiment. Alors j'ai fait des bisous quand même. Bah oui. J'ai dit vraiment désolé hein. Je voulais pas que ça se finisse comme ça. Bon courage et encore désolé. Et moi je lui réponds, t'inquiète, c'est les risques du métier. Elle me dit non vraiment désolé. Oh, voilà. Puce. Donc elle est contrariée, je pense. Aussi, bah bien sûr. Mais bon, c'est pas grave. On rigole et puis ça finit mal. C'est les choses qui arrivent. Mm. Bon bah voilà. Bon. Mm. Bah à demain pour dire ça aux enfants et puis à Mamou. C'est ça. Oh la vache. Une semaine à la maison. Ouais, bah, tu parles... Rien faire. Une semaine handicapée. Tu vas tout faire, ouais. Bon, allez, à demain matin, tout le monde. Parce que, regardez, il est minuit et quart. Ouais, c'est ce que j'en disais. On est crevés. Allez, bisous. Allez, gros bisous, bisous, bisous. À demain matin. Bon, recoucou les amis. On est le matin, y est. Donc, j'ai passé une nuit de merde. J'ai pas dormi. Une douleur, mais phénoménale. Je peux pas bouger. Donc, voilà. Mamou vient d'arriver pour emmener les enfants à l'école. Donc, c'est cool. Mamou, elle est désespérée. Regardez. Ah, je peux même pas tourner le truc. Oh, ah. Oui. Voilà. Ouais. Bah oui, mais c'est... Ça va, ça va. Donc voilà. Ah non, bah oui, je suis là, mais du ouais. coup, voilà. Ouais. J'étais pas là pour l'emmener à l'hôpital. Oh, c'est ballot. C'est ballot. Donc, ça va, en fait, ça va. Une semaine d'arrêt, grosse entorse. Bien, la vengeance. Grosse entorse avec un gros hématome. Mais c'est pas moi, c'est pas payé, tombé tout seul. Hein. Ouais. Ouais. S'il y avait pas eu d'eau par terre, peut-être qu'il serait pas tombé. Ouais, voilà, il c'est ça. Il a tout seul MDR. Ouais, ouais. Bref. Voilà. Bisous. Bon bref, voilà, on vous tiendra au courant. Bah on fera un live ce soir. Mais bon, la vidéo sortira pas tout de suite, mais bon. voilà. Bon bah travaillez bien, hein. Voilà. Merci Mamou pour aller me chercher mes médicaments et mon attelle. Bah tiens, bien sûr, je vais pas à l'hôpital, alors c'est je vais aller à la pharmacie. Oh punaise, c'est pas possible. Et puis on vous dit à plus tard la team. Oh attendez, je vais tourner le truc. Ah oui hein. Ah bah oui, c'est ça dur. Fait mal hein. Voilà. Amy, tu viens dire au revoir. Je viens dire au revoir. Ah, donc voilà. Donc la team. On vous fait des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche. Nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, PNR Family. Et puis on vous dit à bientôt. Hein. On espère que ça ira mieux la prochaine fois. Allez, on vous fait de gros bisous.